Hey, how are you, Minasan? C'est Kensho et aujourd'hui on se retrouve sur Splinter Cell Blacklist. Et ouais, donc voilà, donc je suis retour pour faire l'épisode 9. Donc c'est parti. Alors, ouais, on va tuer ça, ouais. Good. Donc on va foncer sur ça, voilà. Allez, mec, intercepter un tanker de carburant. Ok, soupçonné d'être un cible. Tu te rends compte du bordel que t'as foutu avec l'affaire de Guantanamo? J'étais obligé. T'es pas épaté par les résultats? On s'en fout des résultats, tu sais bien. T'as demandé des faveurs à l'agence et tu l'as mise en porte-à-faux. Tu as neutralisé leurs témoins clés. C'était peut-être rien, mais l'Anglais n'aime pas ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, ne m'appelle plus. Et tu peux considérer ton transfert comme définitif. Ok. Merci. Préviens-moi si Oli veut quelque chose. À part des dégâts cosmétiques, l'avion n'a pas trop souffert. Bonne nouvelle. Charlie ? Quoi ? On a des nouvelles du navire détourné ? Je travaille encore dessus. Ils ont appelé l'attaque American Fuel. Un tanker plein à craquer, ça fait une belle arme. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est pas moi. Grim. L'IMS ne répond plus. Je suis bloqué ! Charlie. J'essaie de le contourner. Briggs, t'as quelque chose? Non, rien. On n'a plus que les lumières et les coms internes. Ici le poste de pilotage, on perd de la puissance. On peut planer combien de temps? Plusieurs minutes. Les systèmes de navigation sont morts, mais on peut contrôler le vol manuellement. On va vérifier le panneau arrière. Je peux pas tout rétablir si vite, je sais même pas comment ils contrôlent l'avion. Oh. Oh. Réponds-moi, putain, merde! Ici le copilote, il nous faut un médecin. Qu'est-ce qui se passe? Le capitaine. Il s'est cogné quand l'avion a chuté. C'est grave, il est inconscient. Je répète, le pilote est à terre. L'avion est sous contrôle? Merde. Les moteurs sont morts. Je peux pas les relancer. Je suis obligé de tenir les commandes en même temps. Mais tu peux voler? Oui. Enfin, non. Je peux essayer de garder le contrôle pour continuer à planer, mais... il faut un pilote. Il faut deux personnes pour actionner les commandes. Y'a B. Briggs, va voir le pilote. Tu vas où? Chercher Cobin. Ok, donc je maîtrise Mister, ok. Allez. Allez, Sam. Hey, laisse-moi deviner. On est baisé et maintenant ça va être à moi de nous débaiser. Hein, c'est ça. Le pilote est inconscient. Merde. Et le copilote? Il vole en manuel, mais... compris, c'est un boulot pour deux. Coupez le jus, le générateur de secours et relancez le système. Ok, je dois aller au poste de pilotage. Allez, sors-moi de là. Fisher, fais-moi sortir. Je vais couper le jus. Hé, hey, lâche du lest tant que t'es là-bas. On gagnera du temps. Lâchez du lest. Viens à l'arrière. Il faut larguer une partie de la cargaison. Vite. J'arrive. Ouais. Faut larguer du lest. Ok. Bien marrant. Ouais. Je laisse un message sur l'enregistreur de bord au cas où. Ok. Sam, la zone de chargement est ouverte. Oh. Et qu'est-ce qu'on va larguer? Il faut lâcher du lest! Largue l'hélico! What? Pourquoi larguer l'hélicoptère, sérieux? Les gars, on entre dans une zone de turbulence, attachez-vous! Impossible! Non. Pourquoi? Merde. Briggs, donne-moi de la lumière. Je vais le dégager. Hein? Tu crois que tu pourras l'atteindre d'ici? On va voir ça tout de suite. C'est quoi?
quoi ce bordel? Il est presque, Sam. Ouais. Continue encore un peu. J'y vois que dalle, mais c'est pas grave. Sam, laisse-toi tomber sur la grue. De là, normalement, tu devrais le voir. T'es en position? Je le vois, je vais tirer. Sérieux là? Ah tiens, ok d'accord. Non, un hélicoptère comme ça, what? Écoute-moi, il faut couper l'alimentation pour relancer le système. Il faut le faire maintenant. Le panneau de commande est sous le plancher, à côté de l'IMS. Allez, bouge ton cul. Il reste une 2 minutes. Il y a une trappe d'accès au tableau électrique. Ok. Y avait. Ça y est, générateur coupé. Ok. Maintenant, va falloir s'accrocher. Je vais devoir faire un piqué. Mac doit revenir dans le cockpit. Je suis en route. Ouais, ben, je veux bien te laisser la place si t'as envie, mais bon, c'est un petit peu en biais et Sam Fisher a du mal à avancer, on va dire. Il peut pas se jeter ou je sais pas, parce que là on dirait qu'il marche en reculant, quoi, sérieux. Mais qu'est-ce que tu fous là? Et ils sont marrants, sérieux. Sérieusement. Yabé. C'est quoi le problème? Il veut réinstaller tout le système en plein vol. Ouais, j'aurais déjà fini si ce débile était pas dans mes pattes. Il va cracher l'avion. Et là, tu crois qu'il va se passer quoi, crétin? Laisse-le faire. C'est activé. D'accord. Ok, Fisher, il faut pomper le carburant et amorcer les moteurs. Si ça marche, on aura quelques secondes pour les rallumer. Les commandes manuelles des pompes à carburant sont là. Ok. Dès que je redémarre, tu tires fort vers toi, ok? On n'aura pas de seconde chance. J'espère que c'est pas à moi de le faire, parce 3, que là, on est dans la merde. 2, 1, allez, saloperie, remonte. Oh, la jolie mer avec des pixels. Enfin, pixels. Pixelisés, lol. Ok. Alors, on en est où? Les systèmes principaux sont réactivés. On vole, mais on vole en aveugle. Grim, les coms internes fonctionnent, mais le reste n'est pas encore connecté. Eh les gars, qu'est-ce qui s'est passé? On a été frappé par un virus de type Stuxnet. J'ai réinitialisé l'IMS et nettoyé tout le système, c'est propre. Comment les ingénieurs ont pu véroler mon avion? On te fera une autopsie pour trouver des réponses. Autopsie. Oh merde. Quoi encore? On a reçu un message juste avant que l'avion ne déraille. La Maison Blanche a activé la continuité du gouvernement. Ce qui veut dire? Ça veut dire que toutes les huiles du gouvernement et de l'armée ont été envoyées dans des bunkers pour les protéger. La dernière fois, c'était le 11 septembre. Oh mon Dieu. Oh. Tu crois que la dernière attaque de la Blacklist... Je n'en sais rien pour l'instant, Charlie. Occupe-toi de rétablir les communications. Yabé. Ok. Bon. On va me dire. Ouais. Ouais, bon, t'as fait cette mission sauvetage dans l'avion, mais. On va contacter quand même Sarah, hop. On va faire un petit peu de fun. C'est vrai que ça, j'ai pas trop fait ça. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Sarah Fisher. Laissez un message après le bip si vous voulez que je vous rappelle. Merci. Ok.
Ok. Yabé. Yeah, ok, non, ça c'est pas ça. Merde, je vais faire K pour revenir dans le menu. Je suis habitué à IM Setsuna là. Enfin, je suis Setsuna plutôt, c'est plus simple. Voilà. Salut, ça. Ouais. Salut, ça. Ok, bon. Mais on va dire que ce sera une petite mission, je sais. Ouais, pourquoi tu fais ça? Tu fais juste une mission de moins de 10 minutes, c'est bon quoi. Ben non, j'ai envie. Donc voilà, donc je vous dis à plus tard pour d'autres aventures sur Blacklist. Enfin, la Blacklist quoi. Donc voilà, c'était Gachot. Bye bye.